Salut à tous, je vous invite, on se retrouve pour la suite du championnat 1998 de Formule 1 sur ce F1 Grand Prix pour Dreamcast. Et on va donc du coup atterrir au Grand Prix du Brésil. Alors on va faire directement une petite séance d'essai avant. Et on se retrouve juste après. Et donc de retour pour maintenant faire les qualification, on va démarrer du coup la session. On va prendre les pneus durs cette fois-ci. Voilà, comme ça on aura une durée de vie un peu plus importante par rapport à la dernière course. On va faire la configuration de la voiture, voilà ce que j'ai choisi. Donc avec les ailerons avant à 32, les ailerons arrière à 30, le braquet à 58 parce que la boîte par défaut est un petit peu courte. On va voir si ça change quelque chose. La sensibilité des freins, on va garder ça, je pense que c'est pas trop mal. La sensibilité de pilotage, on va garder pareil aussi. Donc c'est parti. Et on va du coup, on va faire quitter pour rentrer sur le circuit. C'est parti! Et donc, bienvenue à Interlagos pour les qualifications. Moi, je vais baisser le son un peu du jeu qui est un peu fort. C'est parti! En plus, on a vachement de la chance, il y a déjà de la pluie sur le circuit. Bon, normalement, ça devrait tenir. On va voir ce que ça va donner. Ouais, par contre là ça commence à être de la grosse drache. Je pense qu'on va avoir un petit peu de mal pour tenir en courbe. Ah, ça glisse pas mal. Et bah ça commence. On est parti à la faute. Alors on est en pneu dur évidemment, pas pneu tendre, donc évidemment le grip sera un petit peu plus bas. En attendant, on va un petit peu parler du Grand Prix du Brésil 98 où justement les équipes ont obtenu gain de cause par rapport au système de troisième pédale chez McLaren et qui va du coup être interdit comme étant considéré comme un système permettant de gérer en fait de manière extérieure le freinage, la réparation de freinage. Mais ça ne va pas empêcher les deux McLaren de l'emporter avec quasiment une minute d'avance sur Schumacher qui va finir troisième. Ouf. Alors là, ça commence super mal pour un premier tour. On va devoir partir pour une deuxième lancée. Alors c'est un des seuls Grands Prix d'ailleurs que j'ai vu à l'époque sur kiosque. On avait un jeton gratuit et du coup j'avais pu voir le Grand Prix, mais comme j'étais trop jeune, bah en fait j'ai pas trop profité d'avoir multicaméra parce qu'en fait j'étais gardé sur la seule caméra avec la course. Donc je m'en souviens quand même pas mal, mais je me souviens plus trop de la course en elle-même. Bon ça va, la piste est redevenue un peu sèche. Du coup on va pouvoir améliorer un peu nos pronos. Alors faut vraiment faire attention, voilà, à ce virage et à l'autre virage, parce que franchement, à basse vitesse c'est toujours le gros problème, la voiture a tendance à partir d'un coup de l'arrière. Donc du coup on perd beaucoup de temps, là par exemple ici, il va falloir faire attention à la relance, vous voyez ça glisse. Alors peut-être que je devrais baisser un peu la sensibilité mais j'ai pas pouvoir assez tourner. Voilà par exemple, voilà l'accélération, faire attention. Je vais voir les tests de pointe si elle est un petit peu meilleure que prévu, on bridait à 267 km/h, logiquement on devrait brider un peu plus tard. Ouais ça va, on est déjà un peu plus loin, un peu plus vite en vitesse. Taper les 283, c'est pas beaucoup hein, mais bon, ça reste toujours mieux que tout à l'heure. Regardez à quelle vitesse on va dans la chicane. Alors on a fait un tour en 1:31, ce qui est extrêmement mauvais. Pour faire un tour à peu près dans les chronos des IA, il faudrait qu'on tourne en 1:21 ou 1:22, donc il reste encore du boulot. Et mince. Du coup ce tour là va pas être exceptionnel non plus, mais on va essayer de voir si on peut faire un petit peu mieux. Il reste trop de carburant en plus et j'arrête pas de me louper.
On va finir notre tour quand même. J'ai quand même envie de faire un chrono. Alors, on a gagné 6 secondes, on est à 8 secondes d'avance et du coup j'ai reparu 2 secondes derrière. Alors j'ai presque envie. Presque envie. Et voilà, c'est terminé, on s'est foiré. Bon. On va essayer de faire un autre tour. On va essayer de faire une marche arrière un petit peu moins longue que celle de Ricardo Rossi à Monaco. Et derrière, c'est en train de revenir. Bon, on va tenter un dernier tour, mais si on n'a plus trop d'essence. Normalement, je devrais pouvoir faire 4 tours avec la voiture, donc on devrait aller jusqu'au bout. On a quand même fait un meilleur tour avec tout ça derrière. Bon, il y a de là-haut, il y a de la pluie, du coup on risque d'être un petit peu plus lent, mais on va quand même tenter d'améliorer notre chrono. Ouais, mon amélioration dans le premier secteur alors qu'on est complètement terre, hein, on s'était loupé. Voilà, là on devrait faire beaucoup mieux. J'espère. Ah, et voilà, je suis trop large. C'est impressionnant comme je fais trop d'erreurs dans ce jeu par rapport à d'autres jeux. Là, on est quand même pas sur un jeu PC, on est sur un jeu console et pourtant j'enchaîne les erreurs. Je vais quand même tenter d'améliorer mon chrono. Je suis encore trop large. Bon, ça va être une catastrophe cette qualification. Je vais finir mon tour juste pour le fun, mais on va partir en dernier, vous l'aurez compris. Bon, on a amélioré, mais ça marchera jamais. On va faire fin de qualification. Et du coup, on va partir, regardez les temps, 1.17, 1.18. Je vais partir avec... Oh, il y a une 23 par contre, hein. Fisichella 18, 23, 26, Michael Schumacher 19e temps. Et nous on fait une 29, on a même temps que Marc Gené, je crois, j'ai vu furtivement. La séance d'entraînement, on va pas la faire. Séance d'essai, voilà. Enfin, la session finale, on va faire commencer la session. Bon, au niveau réglage, on va se contenter de ça. Réglage de la voiture. 7 tours, donc on va garder 7 tours. J'espère que les pneus vont durer. On va laisser comme ça, les ailerons, on va mettre deux à l'arrière pour avoir un peu plus de voiture sous-vireuse. Suspension, on va laisser comme ça. Suspension, elle sera à 90, on va baisser un petit peu. Faire quitter. Quitter pour commencer, j'adore cette phrase. Donc c'est parti pour la grille de départ, donc on partira évidemment derrière, c'est Alesi qui est de l'autre côté en dernière ligne. Diniz partira 20e, Schumacher 19e. Physique est là, Nakano. C'est moi ou la grille de départ est totalement incohérente par rapport au nom écrit sur la voiture. Regardez, on a des noms qui sont totalement différents. Regardez les premiers. Hakkinen, Wurz, Frenzen et Villeneuve. Hakkinen premier, Wurz deuxième, Frenzen et Villeneuve. Bah non, c'est ça, c'est bizarre. Bon, bah écoutez. On est parti donc pour le deuxième Grand Prix de la saison 1998, les feux vont s'allumer, c'est parti. Et j'ai fait un très très mauvais départ. Alors peut-être que j'aurais dû partir avec d'autres gommes, hein, parce que je vois la pluie un peu partout. Ok, ça glisse à mort. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fait le bon choix pneumatique pour commencer, c'est magnifique. Ok, donc c'est vraiment pas facile. Pff,
Ouh, ce Grand Prix commence très très mal. Allez, il y a la bonne pluie, hein. C'est aussi pour ça qu'on galère. On va quand même essayer de rester concentré, pas trop faire de bêtises. Attention au vibreur. Et on va voir si avec des pneus durs, on peut tenir mieux que l'IA en termes d'arrêt au stand. Je suis parti à la faute. Je sens déjà la catastrophe façon Australie, hein. Pour moi, j'ai l'impression que ça va être exactement le même résultat. Ma foi, on va voir, on va tenter, de toute façon. Bon, ils sont pas si loin que ça, hein, même si on a fait un tête à queue. Alors, il y a 12 tours à faire. J'espère que mes pneus vont tenir au moins la moitié de la course. J'aimerais vraiment pouvoir faire un arrêt au stand. Bon, on arrive quand même dans un jeu, enfin dans un jeu super compliqué. C'est Denis qui est 21e. Ah, la pluie va commencer à s'arrêter peut-être. Alors, on va essayer de passer Diniz. C'est parfait, on est passé. Oh, j'ai pas réussi à tenir l'extérieur. Diniz qui est repassé. Ah, la piste est redevenue sèche, c'est bon pour nous ça. Bon pour l'IA, enfin, dans tous les cas, ça pourra pas être pire. Alors non, bon, on va pouvoir l'avoir à la vitesse de pointe, c'est parfait. Ok, 21e. Il m'a repiqué sur l'intérieur, on reprend vers l'extérieur, c'est parfait. Alors, du coup, j'ai un peu. Ouais, j'ai effleuré la voiture de. La Minardi devant moi. On est 20e. Alors, mon rêve, ce serait qu'il fasse deux arrêts au stand. Il y en a que nous qui nous retouchent derrière. Enfin, qu'ils fassent deux arrêts au stand et nous un seul. Comme ça on saurait. Oh non, le tête à queue! Et on est encore dernier. Bon, super! Ah, ce jeu c'est vraiment une torture. Hein. Vraiment. Certes, on est en mode difficile dans la pire voiture, mais quand même, hein. Là, je me bats juste pour pas être dernier, hein. C'est vraiment ça. En Melbourne, on était quand même un peu plus rapide. Oh! Et voilà, encore une fois, trop optimiste. Bon, j'avais dit au moins on reste réaliste, hein, on est dans les positions classiques des tirelles en 98, hein, c'est dans les dernières positions.
Alors je me souviens que Ralf Schumacher va abandonner pendant la course, il y avait aussi une Prost qui va abandonner, il me semble. Mais j'avoue que j'ai quasiment aucun souvenir de la course réelle. Ok, la pluie revient. On est au 5ème 12 tours. Je pense que du coup je vais pouvoir faire un seul arrêt. Mais j'ai l'impression que les IA aussi, donc du coup. Oh, mais c'est pas vrai! Du coup, les IA enfin pareil que nous, ça c'est un petit peu dommage. Et du coup, bah, la stratégie elle a pas l'air spécialement mieux que les autres. Et ce qui est dommage, c'est que je les remonte, hein. À chaque fois j'arrive à revenir sur eux légèrement. Attention au niveau de carburant, bon ça d'accord. De toute façon, on va s'arrêter au tour d'après. On va s'arrêter au tour d'après pour faire pile la mi-course. Du mal à garder la vitesse à l'entrée du virage. Allez, on va faire le tour supplémentaire pour arriver à 6. On s'arrête au stand juste derrière. Je pense qu'ils vont tous s'arrêter en même temps. Du coup, les pits vont être totalement bouchés. Et ça risque de pas être bon pour nous parce que si la tirelle est pas trop loin, si mon équipier est pas trop loin, Takagi, ben, en gros, on va être bloqué au stand. Oh, je l'ai bien pris. Oh, je l'ai super bien pris. Ah, qu'il y a nos stands, ça m'étonne pas. Par contre, l'IA a l'air d'être en délicatesse avec ses gommes. Parce que je commence à les rattraper quand même assez rapidement. Allez, on va rentrer au stand juste là. Allez, on va rentrer. Wow. Alors, pneus plus battants, on va garder. Non. On va garder les pneus secs. Ils ont quoi comme pneus? Ils ont des pneus secs. Fuel, on va mettre 7 tours. Je suis passé. Vous voyez comment je suis passé au chausse-pied dans les stands alors que c'est en automatique, c'est n'importe quoi. Et Pete Busy, hein. C'est-à-dire qu'en fait on va devoir attendre derrière lui. Oh non, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, je peux pas rentrer au stand en fait. Du coup on a tout fait pour... Ah non, c'est bon. Pete Busy, mais j'ai quand même le fuel qui est... Ouais, je comprends rien. Je comprends rien. On ne s'est pas... on n'est pas rentré au stand. Enfin, on s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté au stand, mais on a quand même pu avoir de l'essence en plus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, on va rester comme ça, hein, qu'est-ce que je vous dise. Bon, en même temps, le jeu l'a fait exprès en disant que de toute façon, c'était pas ma faute, je pouvais pas savoir. Mais, du coup, il m'a quand même mis de l'essence. Tu sais, n'importe quoi. Hein. Ah, la rose de salaud, là. Non! Et voilà, le vibreur. Et on replace notre position, la 22ème.
Je pense qu'on va peut-être essayer de réduire l'angle de braquage pour que ce soit beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide, parce que vraiment cet angle de braquage, ça me fait faire plein d'erreurs. À mon avis, peut-être que le problème vient de là. Bon, évidemment, on verra ce que ça donne pour la troisième course. Mais je vous avoue que là, c'est vraiment un gros problème. Arriver à prendre des virages normalement, sans tout exploser la voiture, je n'y arrive pas. Il reste 5 tours à faire. Je suis en train de me poser la question si ça va être possible de marquer ne serait-ce qu'un point cette saison. Ah là, j'ai plutôt bien pris. J'ai pris les deux virages, je les ai enchaînés comme il fallait. C'est dans la partie lente où j'ai vraiment du mal. En plus, il repleut. Du coup, on va faire attention. Ouais, les mouvements de la voiture sont vraiment ultra imprévisibles. En tout cas, je pense que ça doit être une torture pour vous de regarder ça. Franchement, je vous comprendrai, hein. C'est une torture. Voilà, ça glisse par contre. Ouais, j'aurais dû mettre des intermédiaires. Peut-être que j'aurais moins de problèmes, je sais pas. Ah non! C'est incroyable, à chaque fois que je suis devant une voiture ou derrière une voiture, mais je suis en position de pas être dernier, je me loupe, c'est incroyable. Bon, l'avantage c'est que je sais que j'ai une bonne vitesse de pointe par rapport à eux, maintenant c'est tout ce qui me reste. Ça glisse pas mal. Allez, il reste 4 tours à faire, on va se concentrer. On va essayer de remonter et pas terminer dernier une bonne fois pour toutes. Je passe un début de saison chaotique pour l'équipe Tyrell. Mon coéquipier est combien? Mon coéquipier doit être 20e. Ouais, il est 20e. Il est 20e. Donc on n'est pas beaucoup, il est pas beaucoup plus rapide que moi. Ah, c'est là où j'aimerais pouvoir le dépasser. Ouais, là, il est en difficulté à la remontée. Moi je peux essayer l'intérieur, c'est bon. Ouf, c'est passé léger. Allez, on va dépasser la rose, mon coéquipier. On va essayer de pas trop se toucher entre nous, ça serait un peu bête. Et il m'a refait l'arrière, c'est pas grave. Allez, 3 tours à tenir, on va essayer de remonter un peu quand même, hein. Ça serait bien de pas. Bon, déjà, si on termine pas dernier, ça sera premier objectif atteint, c'est d'améliorer notre résultat par rapport à la première course. Ouais, c'est parfait. Ah! J'ai accéléré trop fort. Bon, du coup, je dépasse mon collègue, mais ça va. Une petite touchette comme ça, c'est pas trop grave, en général, on casse pas grand chose. Par contre, c'est là où on a du mal, voilà, ça y est, ici. Oh, mon équipier, s'il te plaît, ne ruinons pas les efforts de l'équipe. Déjà qu'on n'est pas très bien placé pour se le permettre, s'il te plaît. Oh, allez, Takagi, non. Voilà, c'est bon, là, je vais pouvoir reprendre un peu d'air. Ok. Il n'y a vraiment que ce secteur où je sais que je peux reprendre un peu du temps. Alors je sais pas si le leader est au bout de la ligne droite, mais alors si c'est le cas, non, je pense pas, ça serait trop beau. Mais ça voudrait dire quand même que on n'est pas trop loin, pas si loin que ça en tout cas. Ok, je l'ai bien pris pour une fois cette chicane. On la met en avant, on s'améliore, c'est bien. Maintenant, mission, aller chercher la 18e position.
Ouf. Oh, ils vont rentrer au stand. Akina est au stand. Ouh, ça serait bien que l'IA fasse la même chose. Et tout. Ah, s'ils s'arrêtent tous, ça serait tellement bien. S'il vous plaît, faites-moi rêver. Ouais, ils sont tous en train de rester au temple, j'ai l'impression. Ok, donc Takagi, c'est, il m'a doublé, mais comme une merde. Hop. Ok. Donc il me reste plus trop d'essence, mais je peux faire un tour de plus. Du coup, s'ils s'arrêtent tous au stand, mais c'est génial. Mais c'est trop bien, ils s'arrêtent tous. Yes, 17ème. Oh, ça va être bon, ça. Ça va être bon. Allez, on est dans le dernier tour. Et on est 12ème. Ok. Oh, c'est trop bien. On est 12ème. On est 12ème. Bon, les pilotes qui sont arrêtés devant nous, ils vont avoir des meilleures gommes. Donc, logiquement, ils vont pouvoir aller plus vite que nous. Donc, je pense qu'on va pas aller les chercher. Bon, je vais juste essayer de finir mon tour tranquillement. Les pits sont busy en plus, donc de toute façon on peut pas rentrer. Je ne comptais pas rentrer, en tous les cas. Oh, c'est une belle amélioration, ça fait plaisir. On va essayer de bien terminer ce tour-là. Alors j'ai aussi l'avantage en essence, hein, parce que je sais, j'ai les pneus, les gommes un peu plus vieilles. Et comme j'ai moins d'essence, alors moi qui ai repris que 2-3 tours d'essence. Ce que je dis en fait, c'est n'importe quoi. Yes, on va arriver dans les deux derniers virages. Bon, j'ai fait trop de bêtises, donc je ne mériterai pas de toute façon de marquer des points. Mais on va finir 12ème. 13ème, pardon. Non, 12ème. Non, 13ème, pardon. À chaque fois, je me fais avoir, c'est 13ème. Ce qui est déjà une belle amélioration par rapport à l'Australie. Et c'est une 13ème place pour Ricardo Rossi au ce Grand Prix du Brésil 1998 qui bat du coup son coéquipier. Ouf, bon bah c'était pas le tour au pot encore une fois. Je tape une 14ème, on va faire start. On va voir ce magnifique podium avec, je crois que c'est Akinen du coup qui a gagné devant Coulthard et devant, je pense que c'est Frenzen. Parce qu'il n'a pas la tête de Villeneuve. Donc je pense que ça doit être Frenzen... Frenzen... Oui, Frenzen 3ème. Je rappelle que la saison 98. Et du coup... Akinen, Coulthard... Et non, c'est Villeneuve. Bah non, c'est Villeneuve. Frenzen par contre termine 4ème. Donc il peut y avoir trop de changements dans les 4 premiers. Alors Schumacher marque 2 points pour Jordan. Jordan qui a mis beaucoup de temps à marquer des points en 98 d'ailleurs. Eddie Irvine finit 6ème. 1 point pour Ferrari seulement. Hein. Pas énorme. Ensuite, on a Damon Hill, Fisichella, Alexander Wurz, Olivier Panis, Mikel Schumacher, Trulli, Ricardo Rossi. Verstappen 14ème. Je vais regarder mon coéquipier, il a terminé, ouais, 19ème malheureusement. Et Nakano, 19ème. Les deux, ah non, Mikel Salo, c'était la Rose. Bah, les deux à Rose finissent, elle était 22ème. Ok. Du coup, au classement des pilotes, bon, il n'y a pas de points, donc on est toujours dernier. Est-ce qu'il prend la meilleure position par contre? Je pense que oui, parce qu'on est, on est marqué 21ème, donc je pense que oui. On va faire suivant. Au championnat constructeur, c'est McLaren qui a 30 points, et du coup qui est en tête, devant Williams, mais pas coutume, 3ème, Benetton, 4ème Ferrari, et Ferrari sont un petit peu à la ramasse quand même. Jordan 5ème, bon ça va, Sauber toujours le petit poids. Et nous au classement, on est 8ème. Oh, on est 8ème. C'est-à-dire qu'on a battu les Aros, les Minardi et les Prost pour le moment en meilleure position absolue. Je pense que c'est Takagi hein, qui a fait le boulot en prix de Melbourne. Donc, on va passer du coup à la troisième course. On se quitte là-dessus évidemment nous. On se retrouve donc pour la prochaine course. Normalement, ça devrait être le Grand Prix d'Argentine. Puisqu'on est en 198. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde.